Noël anticipé, assurez-vous. Noël anticipé pour les Dagobis. C'est quoi Noël pour les Dagobis? La naissance du premier Dagobis, sauveur du monde, que le monde appelle communément notre sauveur Jésus-Christ. La naissance de notre bien-aimé sauveur Jésus-Christ, celui-là que nous appelons premier Dagobis. Dagobis, c'est qui? Il faut d'abord comprendre qui on appelle Dago. C'est le papa de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui était l'auteur de la grossesse vierge en ce moment-là. Quand l'ange Gabriel fut envoyé à cette jeune fille de Nazareth en ce moment, elle lui annonçait qu'elle allait tomber enceinte d'un nouveau-né à qui elle donnerait le nom de Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le père de cet enfant, c'est cet Esprit Saint qui a pris chair à Barnabé, au Bédin, et qui s'est manifesté, qui a commencé son œuvre salvatrice depuis 2009 au Bénin. Alors qu'il est parmi nous, sur la terre du Dahomé, depuis le 18 novembre 1992. Aujourd'hui, Noël anticipé, pour ce premier-né, modèle de tous les Dagobis, il nous a ouvert par sa mission salvatrice les portes du royaume éternel. C'est à partir de ce premier Dagobis, Jésus-Christ, que tous les humains peuvent commencer à saliver et à espérer que, après notre séjour sur terre, il y a la vraie vie après la vie. Donc, cette fête de Noël n'est pas d'abord la fête du nouveau-né qui est venu nous rendre visite, mais c'est notre fête à nous-mêmes. Une fête de l'espérance. La fête de Dieu avec nous, qui fait de nous aussi des enfants de Dieu. Parce qu'il est la lumière de Dieu venue, jaillissant en ce bas monde des ténèbres. Cette lumière qui a jailli sur nous, les hommes, et qui nous a montré le chemin qui conduit vers Dagobis. Bien qu'il soit venu parmi nous, nous montrer le chemin, les humains ne l'ont pas suivi pour autant. C'est pour cela que la source de toute lumière a pris chair au Dahomé, dans le ventre du temps, ou éventrer le temps, et extraire du temps tout son venin, vider le temps de tout son contenu malveillant, à savoir la sorcellerie, et tout ce que vous connaissez déjà. Je vous dis, bonne fête, parce que Dieu, qui est parmi nous, au jour le jour, se révèle à ce monde, se manifeste à la face de ce monde. Et vous savez, je vous dirai bien, l'année qui vient, l'an 2020, que cette fête va inaugurer, que sera une année particulière, remplie d'agréables surprises pour chaque Dagobis ici présent. Et comme le dit en fond, et j'attends, et on ne pas. Si Dieu comble le petit reste d'Israël que vous êtes, je crois que tout le peuple du Bénin en ressentira.